دابا وان شاء الله باذن الله الله يخليكم الاجازه على خاطركم واحد دقيقه الصمت قراءه الفاتحه ترحما على الفقيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. صدق الله العظيم. الله يغفر الجميع. Bonsoir à tous, bienvenue à cette chambre des commerces et à local de l'association de Réalma. Chers amis, c'est un véritable plaisir de m'adresser à vous en représentation du directoire de la Fédération Américaine de Casablanca. Nous avons organisé cette conférence de presse afin de vous présenter des événements importants que nous avons dans notre programme. En premier lieu, l'édition tournoi de la Peña Madrista de Casablanca dirigée aux orphelins et maisons d'accueil qui débutera ce samedi 10 mai jusqu'au 31 mai au sein des installations sportives de l'école espagnole Juan Ramón Jiménez. 8 équipes participeront au tournoi masculin et 4 équipes au tournoi féminin. Ce dernier, qui est en sa 3e édition, est sponsorisé exclusivement pour la Marocaine de Jeux et des Sports. Je tiens à souligner que ce tournoi ne pouvait se réaliser sans l'appui de nos sponsors, Marocaine de Jeux et des Sports, Atija Liwa Faban, Hôtel Barcelo, La Caixa, Fluidra, Inadensa Maroc et Puerta Espanyol. Je désire également remercier la collaboration que nous avons reçue de l'Instituto Cervantes de Casablanca qui délivre aux orphelins des bourses d'études espagnoles gratuites, Collège espagnol Juan Ramón Jiménez pour ses installations, Restaurant El Senador qui offre aux participants le petit déjeuner et les boissons. Et à Rafal qui s'occupe de catering pour la finale du tournoi. Suite à mon intervention, notre membre du directoire, M. Larry Vargas, réalisera une présentation historique parce que cette année, on fait 10 ans de la création de la Peña Madrista Casablanca. Le deuxième événement que je tiens tout particulièrement à vous présenter, et le deuxième tournoi organisé par nos amis de l'association Java. Notre Peña collabore de manière importante avec son président, M. Mustafa, qui lui aussi vous informera de cet acte. Afin que ces deux présentations, nous serons à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Sans plus attendre, nous cédons la parole à M. David Marcage. Et vous remercie à tous pour votre attention. Merci.